Notre santé est la résistance de ce qui se passe dans notre corps. La résistance à l'insuline est souvent associée à certains signes cutanés, donc nous allons voir aujourd'hui. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des pathologies cutanées qui doivent nous faire évoquer une probable résistance à l'insuline. Je vous prie de pouvoir rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre de quoi il s'agit, parce que je vais vous donner deux examens à faire qui vont vous aider à vous rassurer que vous n'avez pas une résistance à l'insuline. C'est tout de suite avec Sweetdoctor. Nous vivons dans un monde actuel où il y a assez de nourriture et où les gens mangent quotidiennement, ce qui entraîne l'utilisation exagérée de cette hormone qu'on appelle l'insuline, qui est l'hormone qui permet de baisser la quantité de sucre dans la circulation sanguine. Ce que vous devez savoir, c'est que chaque fois que vous mangez, surtout des aliments riches en sucre, alors, il y a cette hormone qui est sécrétée au niveau du pancréas qui viendra baisser le taux de sucre dans le sang. Mais il s'avère qu'à la longue, on peut développer une résistance à cette insuline, à cette hormone qu'on appelle insuline. Et aujourd'hui, je vais vous parler des signes cutanés qui font évoquer une résistance à l'insuline. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Olivia Toupé. Je suis médecin généraliste et je suis coach en régime cétogène. Je réside aux États-Unis. Cette chaîne est là pour pouvoir vous donner des conseils sur la santé, afin que vous puissiez vivre longtemps et en bonne santé, parce que le désir de mon cœur, c'est de pouvoir vous donner quelques bases de la médecine pour que plus personne ne puisse être ignorant. Parce que je sais que ce qui dérange, c'est l'ignorance. Sans plus tarder, voici quelques manifestations cutanées qui pourront nous faire évoquer une résistance à l'insuline. La première pathologie dont je voudrais vous parler, c'est acanthosis nigricans. Il s'agit en fait d'une affection de la peau qui donne des zones vraiment hyper pigmentées que on va retrouver au niveau du cou et au niveau des aisselles. C'est une pathologie qui est assez fréquente. La deuxième pathologie cutanée dont je voudrais vous parler, c'est ce qu'on appelle l'alopécie androgénique. Donc, c'est quelque chose qui concerne beaucoup plus les hommes que les femmes. Donc, vous allez voir ces hommes avec de la calvitie. Donc, cela peut faire vraiment évoquer une insulino-résistance. La troisième pathologie, ce sont les acrocordons, qui sont encore appelés des tétines parce que ce sont des petites boules qui ont une consistance molle et indolore. Donc, si vous avez ça, alors essayez de penser que ça peut être une résistance à l'insuline. La quatrième pathologie, c'est ce qu'on appelle l'hirsutisme, qui est un développement de la pilosité chez la femme, c'est-à-dire vous aurez cette femme qui ont de la barbe et qui ont des poils au niveau du torse. Donc, si vous avez subitement cela en tant que femme, alors je vous invite à pouvoir faire ces deux examens dont je vous ai parlé à la fin de la vidéo et que je vous invite à suivre. La cinquième pathologie, c'est ce qu'on appelle les rosacées, qui sont des manifestations cutanées qui se caractérisent par des rougeurs chroniques au niveau du nez, au niveau des joues, et parfois on peut avoir ces rougeurs au niveau du menton et au niveau du front. Donc, si vous avez ces rosacées, alors cela doit vous faire évoquer probablement une résistance à l'insuline et vous devez faire ces deux examens que je vais vous donner à la fin pour avoir le carnet. La sixième pathologie, c'est ce qu'on appelle l'hidradénite suppurée, qui sont des inflammations chroniques de la peau que l'on rencontre au niveau des aisselles et au niveau de l'aile.
La huitième pathologie dont je voudrais vous parler ici, c'est le psoriasis, qui est une pathologie inflammatoire de la peau qui se manifeste par des plaques qui se desquament. Et ces squames-là ressemblent à des écailles blanches. Et ce psoriasis se localise plus au niveau du coude. Si vous avez justement ces pathologies cutanées, quels sont donc les deux examens que je vous invite à faire? Vous devez faire le premier examen qu'on appelle l'hémoglobine glycée, qui va permettre de pouvoir regarder la variation de votre glycémie pendant les 3 mois. Donc, c'est très important de faire cet examen pour pouvoir se rassurer qu'on n'a pas une insulinorésistance. Et l'autre examen, c'est le peptide C, qui va permettre de voir la quantité d'insuline qui est sécrétée au niveau du pancréas. Maintenant qu'on vous a peut-être déclaré que vous avez une insulinorésistance, que faire? Ce que je vous conseille à faire, c'est de pouvoir faire un régime pauvre en sucre, que j'appellerai aussi le keto diet, et dont j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Donc, si vous changez vos habitudes alimentaires et que vous prenez une alimentation vraiment très faible en sucre, alors vous pourriez reverser cette situation et vous pourriez améliorer votre état de santé. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas de me les poser en dessous des commentaires et je vais répondre avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses. Et en résumé, je voudrais vous dire que, il y a des pathologies cutanées qui peuvent vous faire évoquer une résistance à l'insuline. Donc, si vous avez des eczémas à répétition et vous avez déjà pris tout ce que qu'il y a comme médicaments et que vous ne trouvez pas solution, alors pensez à faire, n'est-ce pas, ces deux examens dont je viens de parler, l'hémoglobine glycée et à faire le peptide C pour exclure une probable insulinorésistance. Et cela va aussi de l'alopécie chez les hommes. Donc, pensez que ça peut être un problème hormonal et n'essayez pas seulement de mettre des crèmes parfois qui ne vont vraiment pas marcher. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye.